Bonsoir à tous, comment vous allez? Je suis en compagnie de ces deux zigotos, de tout simplement mes esclaves de tournage, donc c'est-à-dire Pablo et Sohan. Coucou, coucou. Oui. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire un tu préfères. Vous connaissez le concept des tu préfères. Ça a été fait en 2010 sur YouTube. On est en 2020, mais c'est pas grave, on le fait quand même. On va voir, on va débattre un peu des choix. On va pas être d'accord sur tout. On va même s'entretuer s'il le faut. Mais bon, vous allez voir ça dans cette vidéo. Code créateur LazerTy pour plus de fun sur Fortnite et sur Rocket League, t'as capté. Donc, c'est parti. C'est parti, jungle. Et pas la jungle. Parce que ça rime en fait. Genre, ouais, oui, oui. Jingle et jungle. En oui, fait, comme... c'est la même chose. Oui, un truc de ouf. Allez, c'est parti. Comme le livre de la jungle. Tu préfères être une carotte ou être un concombre dans la vie de tous les jours, tu sais. Ça change tellement rien, c'est les deux, ça pue la merde. Surtout, je préfère être une carotte. Attendez, pour vous, un concombre, c'est un fruit ou un légume? Pas un légume. Bah, c'est un légume, le concombre. Pour toi, c'est un fruit. Mais c'est pas. Mais le concombre, c'est pas un fruit, gros. Allez, si on a tendance à la catégorie légumes, du fait qu'il ne soit pas curé, le haricot vert est bien un fruit. Tout comme l'avocat, l'autre, et le piment. Le quoi? Concombre. Ah ouais? Est bien un fruit. Et ils ont fumé les. Mais du moment où il y a des pépins, c'est un la fruit. La courgette, c'est pas un fruit. Et les ratatouilles de mémé, c'est pas un fruit, hein. Tu préfères vivre la vie d'Adolf Hitler ou vivre la vie de Staline? C'est qui a le meilleur CV? Moi, je préfère personnellement être la vie de Staline. Et toi, Sohan? J'ai exactement le même avec Pablo. Ouais, moi aussi, je préfère Staline. Moi, c'est juste parce que c'est le plus BG, en vrai. Tu préfères contrôler les éléments ou contrôler le temps? Ouais, c'est le site qui fait les traductions, il est un peu mauvais, quoi. C'est de la merde, les traductions. Alors, moi... je préfère contrôler le temps. Contrôler les éléments, ça sert strictement à rien. Mais contrôler l'eau, la terre, le vent et le feu, évidemment que ça sert, mec. Tu dans le futur, je vois les résultats ouais, des, non, des trucs, je deviens millionnaire. Alors que contrôler une flamme, gros, la reine des neiges, tu vas me dire, la reine des neiges, elle sert à rien. À part faire des bonhommes de neige moches, elle sert à rien. Être considéré comme un menteur ou être considéré comme un tricheur? Bah, tricheur. J'ai pas vraiment de justification. Si t'es un menteur, tout le monde va te détester, alors si t'es un tricheur... Bah, ça va, tu triches au jeu, enfin, t'es un tricheur, mais... Ça, je le fais déjà de base, donc... Tu préfères vivre une vie normale et être oublié au fil du temps ou être entré dans l'histoire pour quelque chose de terrible? Bah, vivre une vie moyenne, être... Bah oui... Non mais c'est sûr, les... Swan, il a même pas dit... Non mais c'est pas hier, j'ai l'habitude, hein. Ah, ça va aller. Alors attention, on va se faire insulter dans... Quoi qu'on dise, on se fait insulter dans les commentaires. Tu préfères être connu comme raciste ou être connu comme sexiste? Voilà. Et bah tiens, on va commencer par Sohan. Ouais, Sohan, en fait, c'est juste lui qui va répondre à la question. Alors, aujourd'hui, le racisme est beaucoup plus puni par la loi et a beaucoup plus d'impact. Alors que si t'es sexiste, les gens vont pas t'aimer. C'est tout. Alors si t'es raciste, tout le monde veut te défoncer. Ouais. Très bonne analyse. On passe à Pablo. Ta gueule, on passe à Pablo. Black Matter. Black Matter. C'est pas ça, tu sais. C'est Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Alors moi, il préfère être les deux à la fois. Exactement. Voilà, j'ai répondu. Allez, question suivante. Moi, je préfère être sexiste parce que j'ai le même avis que Sohan. Voilà. Vous préférez battre les Power Rangers dans le Megazord robot ou combattre Optimus Prime? Combattre Optimus Prime parce que quand j'étais... Bah, je préfère battre Optimus Prime parce qu'il est plus gentil et parce que le Megazord robot il te fout un coup de laser et t'es mort direct. Question suivante. Tu préfères être stupide et avoir un enfant brillant ou être brillant et avoir un enfant stupide? Mais c'est pas logique parce que logiquement si t'es brillant, tu éduques bien ton enfant. En gros t'es brillant, soit t'es stupide et t'es un bon enfant, soit t'es brillant et t'as l'as. Yes, bah merci. Ouais, je préfère être brillant et avoir un enfant stupide. Ouais, moi aussi je m'en bats un peu les couilles. Si je fais écraser comme ça par une voiture, je m'en bats les couilles, quoi. Être brillant et avoir un enfant stupide. Oh non, merde. Ah bah, yes, on est en désaccord. Ramener la coupe. Ah non, c'est pas ça. Tu préfères ramener les gens de la mort, mais à chaque fois ça t'enlève un an de ta vie, ou être capable d'exaucer des vœux, mais à chaque fois vous oubliez un beau souvenir de vous. Un beau souvenir que vous avez passé. Je m'en bats les couilles de mon souvenir, si je peux exaucer des vœux. J'en ai rien à foutre. En vrai, putain, c'est chaud, mais c'est chaud. Ramener les gens que tu veux. Ramener les gens au bord de la mort, mais à chaque fois j'enlève un an de ma vie. Ouais, tu préfères tellement de choses. Ah, moi, je choisis le bleu direct. On pourra ramener Michael Jackson.
Le petit pédophéant. Tu préfères être éloigné de ta famille pendant 10 ans sans contact ou vivre avec ta famille pendant 20 ans supplémentaires ouais. après vos 18 ans. Jusqu'à tes 38 ans. Ouais, mais du coup, tu vois pas ta famille pendant 10 ans. Genre, aucun contact pendant 10 ans, genre jusqu'à tes 28 ans. Ah bah du coup, ouais, moi, quand ils sont Brain, morts, quand ils sont morts. Voilà, hop. 200 de QI là-dedans, 200 de QI. Swan, tu préfères quoi? Je parie que tu préfères pareil que nous. C'est nickel. Tu préfères ne plus jamais jouer à un jeu sur ton ordinateur ou ne plus jamais jouer à un jeu sur ta console ou sur ton portable? Okay. Pro, l'ordinateur, il y a 3 fois plus de jeux que sur Play et sur. Oui, même. Ne jouez plus jamais à un jeu sur votre ordinateur. Mais vous êtes des baisers en fait. Bon gars. Non mais vraiment les gars, ils ont choisi console et portable. Ça me casse les couilles, reviens. Les consoles c'est mieux. Non, c'est les PC. Ok bah vas-y, mais ne plus jamais jouer à un jeu sur un ordinateur, on va voir. Ok. Ferme. Allez, hop. Hop, ne plus jamais jouer à un ordinateur, 63%. Non mais y a 936 000 enculés sur cette terre, hop là. Je préfère courir vite. Le français avec Blaze. Donc tu préfères courir vite ou sauter haut? Courir vite parce que Flas, c'est mon idole. Moi en vrai, je préfère courir vite, sauter haut, ça sert clairement à rien. Tu préfères te faire pousser une grosse queue parce qu'il en a pas pour l'instant, il est où? Ou te faire pousser une corne? Je préfère me faire pousser une queue parce que je peux m'accrocher à des arbres et tout. Comme ça, tu peux montrer tes émotions avec la queue. Genre, voilà. En vrai, je préfère avoir une corne de licorne comme ça. Je te la fourre dans le cou comme ça. Une corne, c'est la force. Une queue, c'est l'agilité. Tu préfères avoir un enfant moche ou avoir un bel enfant à peau bleue? Un avatar. Un avatar. Bleu, il y a le gouvernement, ils veulent te capturer. Voilà. Regarde, bah oui, forcément. Quoi? What? Oula! Tu préfères ne plus jamais p***er ou ne plus jamais rien apprendre? Allez hop, on est tous d'accord, check. Allez hop, check. Allez hop, yes. Ah oui, genre t'apprends plus rien. Vraiment, tu finis, t'as 2 de QI. Ouais, mais au moins... T'es pas puceau. Être capable de courir 4 miles par heure, donc être courir... 40, pas 4. 4. Putain, mais c'est vraiment pas bien. J'avoue. Tu préfères être capable de courir 40 km par heure ou posséder une voiture? Bah, courir, posséder une voiture. Mais pourquoi? T'as même pas ton permis. Tu préfères contrôler le feu ou avoir une trottinette électrique? Ouais, mais après, imagine, une voiture, tu peux l'avoir plus tard et même tu cours ultra vite. Mais si t'es fatigué? Mais t'es pas fatigué si tu cours 40 km si par heure. Si tu le fais, c'est que t'es pas fatigué. Posséder une voiture. Mais tu choisis, t'es un chien de la vie. Swan est con dans les commentaires. T'es voilà. Nul, Swan, t'es nul. Pourquoi tu choisis pas pareil que nous? Ça sera pour le début de vidéo. Posséder vraiment. Mais Swan, mais t'abuses, putain. C'est nickel. Grosse merde. Aïe. Pablo, t'es le seul à penser ça, mais t'es raciste en fait. Non, c'est pas ça. Non, t'as un gros fils de pute. Non, tu mets pas ça. Non, tu mets pas ça. Non, tu mets pas ça. Non, s'il te plaît, ça se fait pas. Oui, je mets pas ça, Ouais, c'est ça mon cul. Ouais. Non, ok, bah, chez toi. Mais mec, je savais pas que t'étais homophobe. Dans cette vidéo. Je dois tenir ton pipi. Tiens, je tiens ton pipi. Je l'ai gardé toute la journée. Et en plus, il était dans le frigo. Toutes les 5 minutes pendant toute la vie? Mais non, genre une journée. Non, mais toutes les 5 minutes, c'est ultra chiant. Moi, je préfère tenir mon pipi toute la journée. Tu préfères vraiment faire pipi toutes les 5 minutes? Non, en vrai, c'est chiant. Tu préfères avoir un chef personnel ou avoir une masseuse personnelle? Non, ou avoir une masseuse personnelle. Le rouge. Allez hop, masseuse personnelle. Jackson, t'as de mort. Préfère ne plus jamais toucher un ordinateur ou ne plus jamais toucher une personne du sexe opposé. C'est-à-dire que, imaginons que t'es ma mère, si tu touches, genre... Et voilà, il disparaît instant, tu vois. Bon, question suivante. Ah mais du coup, j'ai fait disparaître Pablo, parce que c'est une meuf. Attends, on va l'appeler. Michou. Ah. Tu préfères être attirant mais que tu sois frappé tous les matins au visage ou être moche? Genre frappé comme ça. T'as fait quoi là? Merde, Mets-toi là. J'ai rêvé de Michou. Tu préfères regarder un volcan en éruption ou observer un météore frapper la terre comme ça là? Comme quand TK il frappe dans son burger. J'allais faire une autre blague avec TK mais vas-y si tu veux on fait avec le burger. Il tape dans sa mineure comme ça. My big mineur.
c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, petit tu préfères entre potes, chillax. Si vous l'avez aimé, ce petit concept qui a été fait en 2010, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. Voilà, ça coûte rien. Vous pouvez mettre le code créateur LAZERTY dans la boutique Fortnite et Rocket League. Et même si vous achetez un jeu sur l'Epic Game Store, vous pouvez le mettre. Même si vous allez sur à Carrefour, vous dites à la caissière, je mets le code créateur LAZERTY. Hop, 50% de réduction. Abonnez-vous à la chaîne de ces deux zigotos. Donc, elles sont aussi en description et dans l'outro. Lui, c'est Sohan. Lui, c'est Studio Bubble Tea. Voilà, abonnez-vous en masse. Et partagez la vidéo un maximum à tous vos potes si vous l'avez trouvé cool. Bon, c'est pas tout. Je vais aller lire la dernière BD de la main fâchée. Tchuss. Bah, du coup, ça fera 10 balles, on avait dit, ah, chacun. Mec, t'as besoin un petit peu. Bah, vas-y. Bah, hein, ouais, 10 balles. Tu voulais pas que je mette ta chaîne en plus au début ou ah, je sais ouais, pas quoi, bah, un truc genre. C'est combien? C'est 5 euros en plus. Okay. Voilà, pour le pack réseaux sociaux plus chaîne. Okay, bah merci mec, les gars. Rentrez bien chez vous. Si et puis, pour une fois, tu peux nous faire des tarifs un petit peu moins chers. Oui, non, bah c'est mes tarifs habituels, donc voilà, j'ai pas trop envie, tu vois. Mais t'oublies pas de mettre le chaîne et tout, voilà. Ouais, bah de toute façon, voilà, donc prochaine vidéo, si vous voulez, c'est pareil, c'est 10 balles.